Salut, salut! Est-ce que vous vous êtes déjà demandé s'il était possible de réinstaller un serveur Linux à distance sans avoir besoin d'une carte d'administration spécifique? Eh bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui sur Another Homepage. Bienvenue et salut à toutes et à tous, je suis Nils. Alors, salut à toi Haribo, salut à toi Chavenet, bonsoir Studio Cyanotype. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et une bonne journée. J'en profite un peu pour boire un coup. C'est important d'hydrater son streamer. Bien le bonsoir à toi aussi Azram. Dis donc, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Je crois que t'étais pas venu depuis le début de l'année, si je ne m'abuse. Je peux me tromper aussi. Azram est notre expert Kubernetes du coin. Donc, l'objectif aujourd'hui... Tu passes en sous-marin de temps en temps, pas de souci. Pas de souci, déjà tu passes, c'est très gentil à toi. Alors, l'idée c'est quoi? C'est que, supposons que vous ayez un serveur Linux, et que ce serveur Linux soit ailleurs. Quand je dis ailleurs, ça peut être dans la pièce d'à côté, comme ça peut être à plusieurs centaines de kilomètres, dans une salle machine, un data center, peu importe. Et vous avez cette machine avec un système d'exploitation Linux qui... potentiellement est obsolète, ou alors la configuration ne vous convient pas ou plus, pour une raison X ou Y, et vous souhaitez réinstaller la machine. Ouais, alors, ouais, sur Mars. Alors bien entendu, aujourd'hui, avec bon nombre de serveurs modernes, on a une possibilité, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une carte d'administration à distance, ce qu'on appelle aussi une carte out of band, qui bien souvent exploite un protocole, qui s'appelle le protocole IPMI, et qui permet en fait littéralement vraiment de faire comme si on était devant la machine. C'est-à-dire qu'on a un export écran, clavier, souris. Donc c'est assez fantastique. Certains constructeurs vont appeler ça directement de l'IPMI, je pense à Supermicro. Donc vous allez avoir une deuxième carte réseau en fait, ou pas d'ailleurs, certains modèles font des partages de la carte réseau de l'OS avec l'IPMI. Mais, enfin pas certains serveurs, certains modèles, mais toujours est-il que l'idée c'est que donc il y a une sorte de... Alors justement, j'allais y venir, Chavenet, c'est que certains constructeurs n'appellent pas ça IPMI, Supermicro appelle ça de l'IPMI, je sais pas du tout, chez notamment, je pense à Lenovo, IBM et notamment, mince, c'est quoi les japonais, Fujitsu. Je sais que ça, c'est d'autres marques de serveurs. Je sais pas du tout comment ça s'appelle chez eux. Mais chez, effectivement, HP Entreprises, ça s'appelle ILO. Et chez Dell, ça s'appelle iDRAC. Enfin, même si avant, ça s'appelait juste DRAC. Et le principe, c'est donc qu'il y a, potentiellement, ça va dépendre des gammes, une carte réseau supplémentaire. Cette carte réseau, elle est reliée à une sorte de, on va dire, de puce, hein, de mini... mini serveur embarqué qui lui va avoir accès à tout le matériel du serveur, et donc il va être capable non seulement de vous renseigner sur l'état de santé, comme par exemple si vous avez plusieurs alims, bah, il y en a une qui est peut-être HS, si vous avez par exemple notamment bah, pour les serveurs, bien entendu vous allez avoir, enfin bien entendu ça va dépendre de votre configuration, mais bien souvent on va retrouver des configurations à plusieurs disques avec une carte RAID matérielle, et ben ça peut être intéressant d'avoir une remontée au niveau de l'interface IPMI, de dire attention, il y a un disque qui est HS, même s'il y a d'autres moyens de le vérifier. Mais c'est un moyen de le vérifier. Mais donc, ces histoires d'IPMI, salut à toi Nebed, pas de souci, enfin Nebed pardon, tu as le droit d'être Jean l'heure que ce soir, il n'y a pas de problème. De mémoire, c'est du Nginx chez Intel. Ok. Toujours est-il que ce genre de choses-là, alors, ça coûte un certain prix. Eh ben, merci pour le raid. Merci Chaos pour le raid avec 47 personnes. Vous êtes adorables. Merci à toutes et à tous. Salut, salut. Salut MJAC. Salut Pendant Slag. Salut Gallium. Salut Elena Erwen. Salut FCLab. Ouais, vous arrivez en force, il n'y a pas de souci. Salut à toi Charlie, salut à toi Mercenaire, et merci encore Chaos pour le raid. J'espère que vous êtes bien amusés. Qu'est-ce que vous faisiez chez Chaos? Et pendant ce temps-là, merci Gallium pour le follow. Merci à toi. C'est bizarre. Je pense que quand j'ai fait le ménage, j'ai remonté la webcam. Du coup, il faut que je monte un peu pour que vous voyez mes mains. CTF, Axobox. Ok, c'est cool. C'est cool. Salut à toi, Pépé Guy. Chaos, il est raide. Alors, je vais légèrement... Hop, on va légèrement baisser. Hop là. Hop, voilà. Comme ça, la tête, elle est un peu plus au milieu. Tu as une key. Alors, AHP, c'est pour Another Homepage. Another, H, Home, P, Page. C'est, bah, en fait, c'est mon site perso, tout simplement. Tout simplement, vous tapez anotherhomepage.org, vous tombez sur ma entre guillemets, ma page principale, ma page d'accueil, sur laquelle d'ailleurs, j'en profite, hein, puisque tu... ça, je veux dire, tu m'offres la transition sur un plateau. Eh bien, vous allez trouver notamment... toutes mes emplacements vers les réseaux sociaux. En gros, ma page d'accueil, anotherhomepage.org, c'est entre guillemets mon Linktree, sauf qu'il est auto-hébergé. Donc, vous allez retrouver, bien entendu, donc, les réseaux sociaux, j'ai envie de dire classiques, Mastodon, Twitter, Instagram, LinkedIn. Vous allez aussi trouver l'adresse vers mon blog, et vous allez aussi trouver l'adresse du Discord, qui est encore là. Merci FCLab d'ailleurs pour le lien. Et merci Silent Rise pour le follow. Merci, c'est très gentil. Et vous allez aussi trouver l'adresse vers, bien entendu, cette chaîne Twitch. Et pour finir, l'adresse de ma chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez voir certains vieux replays de la chaîne. Notamment, je pense à justement un projet marrant, ça avait été le projet botnet, où on avait essayé de mettre en place le botnet Mirai dans un environnement enclos, et aussi un autre projet assez sympa. J'avais donné des cours dans une école, des cours pour gérer un serveur Linux à des débutants, des gens qui ne sont pas forcément informaticiens de formation. Et ce que j'avais fait, c'est que tous mes TP, je les avais refaits en vidéo, en stream. Et donc, vous pouvez retrouver les vidéos, c'est la série TP Serveur Linux. Voilou. Mais il n'y a pas de souci, merci à toi de m'avoir donné l'opportunité d'en reparler. Alors. Donc, on a nos histoires de cartes IPMI dédiées. Sur des serveurs qui coûtent quand même cher, sur des machines qui sont faites pour être en data center. Ouais, born to be root, tout à fait. C'est plus, on va dire que c'est plus pacifiste que born to frag. Bonne soirée à toi aussi, Chaos, merci. Et merci pour le follow, Alexis. Merci à toi, c'est très gentil. Et donc, tous ces trucs-là, c'est bien gentil, mais ça coûte de l'argent. C'est sur des machines d'un certain type, c'est-à-dire des machines serveurs qui sont faites pour être en data center. Alors, bien entendu, on peut trouver notamment chez Dell, il y a des variantes workstation, donc station de travail, les gammes T. Les gammes T de chez Dell, par exemple, en Dell PowerEdge, vous avez par exemple, je dis une bêtise, hein, vous avez par exemple les R, je sais pas moi, les R320. Je sais même pas si c'est une gamme qui existe, cela. Je crois qu'il y a les R420 qui existent. Et ben vous pouvez peut-être trouver des T420 qui, eux, sont au format tour, mais qui ont potentiellement aussi un IPMI. Donc, même si, à mon avis, ça doit quand même être des sacrées machines à faire tourner sous le bureau, potentiellement, c'est une possibilité. Sauf que, bah, forcément, c'est des machines Dell avec toutes leurs spécificités. Donc, c'est peut-être pas forcément ce qu'on veut, que ce soit pour le portefeuille ou pour la réparabilité. Et Chavenet, c'est très intéressant que tu poses cette question. Si ça n'existe pas sur le PC, on peut se le fabriquer. Potentiellement, oui. Potentiellement, oui. Alors, je peux vous retrouver, si vous me laissez un petit instant, notamment une vidéo d'un YouTuber qui s'appelle Craft Computing, qui est donc un YouTuber américain. Et... Hop, allez, Craft Computing... Hop là. Et en fait, il a fait notamment une vidéo il n'y a pas très longtemps. Never pay for IPMI again, by KVM review. Donc, si je vous ouvre ça dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Et que je vous affiche... Alors, on va couper le son parce que je voudrais pas me faire strike juste pour ça. Voilà. Je vais vous passer la pub. Voilà, on passe les annonces. Et juste un petit instant, si je mets comme ça. Voilà. Donc vous avez cette vidéo, je vais vous la linker donc, quand même. Et en gros, cette vidéo-là, elle vous montre un produit qui est basé sur du Raspberry Pi. Alors c'est un produit qui est en vente, bien entendu. Ce produit-là, il est en partie open source, je crois. Voire même complètement open source. Toujours est-il qu'en gros, il y a une carte spéciale qui vient se mettre sur un port PCI Express. Et cette carte, qui fournit une carte réseau supplémentaire, va donner accès en fait à toute la machine. Alors je sais plus exactement comment ça se branche. Je crois que la partie PCI Express, si ça se trouve, elle sert juste à se brancher quelque part. Elle est même pas utilisée, je crois. La partie alimentation vient en PoE via la carte réseau. C'est assez fou. Mais toujours est-il que ça a un mérite, c'est que bah, si vous avez des machines qui n'ont pas de l'IPMI ou des machines qui sont assez vieilles, je pense notamment à tous les serveurs de, on va dire de 10e, ouais même 11e génération, ouais, jusqu'à Dell, je crois que c'est la 11e génération ou plus tard chez Dell, où il y a encore du Java pour gérer la partie, pour avoir l'interface web, pour pouvoir se connecter directement sur une... sur une console comme ça à distance, comme si on était en local sur le PC. Et en fait, là, je suis emmêlé dans les câbles, désolé. En plus, ça doit faire du bruit. Hop là. Je me disais aussi que je trouvais que j'avais pas beaucoup de mou sur le câble ce soir. D'un côté, je me disais c'est cool, j'ai pas trop de mou. Ouais, non, c'est un peu le problème du câble, mais d'un autre côté... Ça évite quand même les problèmes sans fil, les trucs sans fil quand on a trop de... quand on a du lag. Bref, toujours est-il que ça a un avantage, c'est que donc on peut mettre ça sur des machines qui sont un peu vieilles ou sur des machines bah, grand public qui n'ont pas en temps normal de carte IPMI. Après, un truc qui est pas mal aussi... et qui vaut le coup d'être su aussi, c'est que si je repars ici, que je fais art of server, hop, c'est une autre chaîne YouTube, et voilà, il a fait une autre vidéo. Alors désolé, il y a de la pub, est-ce qu'il y a moyen de la skipper vite fait? Faudra que je la... voilà. Et donc, je vous... aussi donner le lien, où en fait dans le cas des serveurs Supermicro qui sont un peu anciens et qui pour accéder à leur carte IPMI nécessitent un navigateur avec du Java, et eh bien vous avez un autre outil qui s'appelle IPMI View et qui fonctionne sous Linux, ce qui est plutôt sympa. Et en fait c'est une sorte d'application avec un Java embarqué, comme ça évite d'avoir d'installer soi-même sur son système un vieux Java avec un vieux Firefox à côté pour pouvoir tout gérer. Et j'aurais tendance à dire, si vous voulez vous monter un serveur un peu puissant chez vous par exemple, allez voir du côté des cartes mères Supermicro, les modèles qui contiennent un IPMI, ça peut être intéressant. Je dis pas que c'est forcément vers ça qu'il faut s'orienter, mais c'est une possibilité. Toujours est-il qu'il y a des cas de figure où on est vraiment, entre guillemets, sur du matériel qui n'a pas ce genre de choses-là. Ou alors pour lequel on n'a pas accès à ce genre de choses. Et si jamais on a déjà un système Linux d'installer sur la machine, et que ce système Linux, même s'il est un peu vieux, il est quand même fonctionnel, il y a moyen, malgré tout, de réinstaller la machine from scratch, et de faire en sorte que on la réinstalle à distance. Alors, bien entendu, faut pas se louper sur les paramètres réseau. Absolument pas. Là, il n'y a pas droit à l'erreur. Alors justement, pour pouvoir se préparer, eh ben, je me suis dit, tiens, vu que c'est un truc que je pense que je vais avoir besoin de faire bientôt, de réinstaller une machine qui n'a pas ce genre de choses-là, je vais vouloir faire des tests. Et je me suis dit que quel était le meilleur moment pour faire ces tests que de les faire, eh bien, parmi vous, tout simplement. Donc, eh ben, on va s'y coller. Alors, salut à toi Fixoulab, j'espère que tu as passé un bon week-end. Ce matin, je suis passé sur le stream de Inforea, qui était encore tout heureux de toutes les barrettes de RAM que tu lui as envoyées. Donc bravo, merci pour lui, même s'il t'a déjà remercié. Alors, pour la manip de ce soir, j'ai deux possibilités. Alors non, je ne serai pas au FOSDEM. Pour être honnête, je n'y ai jamais mis les pieds. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai jamais réussi à comment dire, jamais réussi à trouver le temps de d'y aller. Et puis alors, depuis 2020, je t'avoue que voyager, ça me file toujours un peu les chocottes. Même si bon, j'ai mis les pieds à Paris Open Source Experience. Mais pour le coup, en plus, mon calendrier en ce moment, en tout cas en particulier cette année, ne me permet pas de me débloquer du temps pour aller au FOSDEM. Peut-être l'année prochaine, on verra. Je fais pas de promesses. En plus, Bruxelles, c'est une ville que j'aimerais voir. J'ai dû y mettre les pieds une fois, mais en 4ème vitesse, donc... mais ouais, un jour. Salut à toi, Radegound. Et salut Xavier. Alors, pour faire notre manip, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Eh ben, soit on fait des tests dans une machine virtuelle, soit on fait des tests avec une vraie machine. Qui, pour l'exercice, sera quand même à côté. Je peux vous la montrer d'ailleurs. Si je mets comme ça, voilà, elle est là. C'est un mini PC industriel avec un Celeron et 4 Go de RAM. Je l'ai installé genre cet après-midi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que... Alors, je sais pas si vous allez bien voir. C'est un peu le souci que j'ai actuellement sur ce setup. Si je mets comme ça, vous devriez voir. Alors... C'est un peu dommage que je puisse pas zoomer, mais vous voyez là, en haut à gauche, vous avez un petit... au fait, c'est une Fedora 37 version serveur, et il y a le petit cockpit qui est là, qui est prêt à être accédé. Et si je reviens sur mon bureau et que je change de bureau virtuel, hop, je me suis monté assez rapidement une machine virtuelle au cas où pour faire des tests. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, la machine physique, elle décide qu'elle en a marre. Elle a été un peu capricieuse, pour être honnête. J'ai un problème avec le hardware depuis le début de l'année. Honnêtement, mes manips hardware sont pas toujours très remplis de succès. Ah, alors je me suis trompé de... Hop. Voilà. Donc je me suis dit, au moment où j'ai préparé la machine physique, je vais préparer une machine virtuelle au cas où. On sait jamais. Puis ça se trouve, j'aurais pas besoin de machine virtuelle vu que j'ai déjà utilisé. Avec le hardware et avec Kubernetes. Ouais. Alors, Azram... Petite blague, je sais pas si tu as vu passer un message à moi sur le serveur Discord de la chaîne, que je vous recommande bien entendu de rejoindre, l'entrée est libre, mais je suis tombé sur un petit tutoriel pour se monter un petit Kubernetes avec juste 3 nœuds, deux nœuds des worker nodes et un nœud à type masternode en utilisant Fedora CoreOS. Et alors c'est vraiment basique. C'est basique, mais ça a fonctionné. Je l'ai suivi et ça a fonctionné. J'ai déployé un pod Nginx et le pod Nginx sur chaque nœud. Voilà. Donc, à un moment, peut-être que je vais... peut-être qu'un jour... Je sais pas si ce sera cette année. Peut-être qu'un jour, je referai du stream sur les conteneurs et sur Kubernetes. Et si tu as envie d'aller voir, vu que je sais que tu es sur le Discord, habituellement, tu peux aller voir normalement dans les liens quelque part. Il y a, je suis plus sûr quelle partie du canal je l'ai fait. Tiens, j'ai pas Discord lancé ici. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Hop. Hop. Ah bah, forcément, il met un peu de temps à démarrer. Alors, pour l'instant, on va être optimiste. Hein, on va quitter ça. Il faudrait déjà que je me connecte. Ah oui, c'est le petit problème que j'ai. Hop, faut encore que je modifie. J'ai trop de clés SSH. Hop. Voilà. Voilà, parfait. Alors, si je me connecte sur la machine physique dont je vous ai parlé à l'instant. Hop, voilà. Donc, je l'ai appelé Reinstall Me, hein, parce que voilà. Et on a dessus une Fedora 37, tout ce qui est plus classique. Ce que je voulais faire, c'était aussi récupérer... Récupérer un truc qui peut être pratique. C'est ça, le fichier Kickstart qui correspond à l'installation. Je vais me le récupérer... un instant. Je fais ça sur un autre terminal, vous le voyez pas, mais c'est pas grave. Hey, merci beaucoup pour le follow, Vox Noctuis. Merci à toi. Voilà. .cfg, pardon. Ah, et non, il n'en a pas voulu parce que le visudo, hop là, parce que le sudo, il est en mode, je veux un mot de passe. Alors, je vais lui dire vite fait qu'il n'y en a pas besoin. Voilà. On écrit, on exit et on recommence. Voilà. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que voilà, sudo-l. Donc, on voit bien, le Nils, il est en all, no pass WD all. Donc, comme ça, on sait que c'est un petit indicateur que la machine, elle a une config en plus. Et on verra quand on l'aura réinstallée si ça passe. Donc... Comment on peut faire pour réinstaller cette machine? Est-ce que certains d'entre vous ont eu une idée? J'ai une machine Linux, avec un Linux existant, qui démarre sur son disque local. Concernant la méthode de, j'ai envie de dire, de boot, bah, elle démarre sur son disque local. Alors, je l'ai configuré en mode MBR classique, donc ce n'est pas de l'EFI. Il n'y a pas... comment dire, c'est assez simple. Salut à toi, Bilouret. J'espère que tu vas bien. Hop. On fait... Non, 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 pas besoin de chroot. Pas besoin. Alors justement... Justement, on fait ça sans les mains fixes ou là, on fait ça sans IPMI. La machine n'a pas d'IPMI. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudra peut-être noter la carte réseau sur laquelle elle est. ENP1S0. Ok. Non, non, il n'y a pas d'IPMI, sinon c'est pas drôle. Alors, Pépé Guy, effectivement, on pourrait faire du PXE, mais dans ce cas de figure-là, on va faire sans PXE. Ah oui, c'est en ligne de commande, tout à fait. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous ont se sont déjà posé la question de comment est fait l'ISO d'installation de distrib Linux, que ce soit d'ailleurs, alors moi je suis en exemple ici dans le monde Red Hat avec Fedora, mais ça se fait aussi dans le monde Debian ou dans même d'autres distribs. Comment est-ce qu'une image ISO, qu'est-ce qu'on a quand on a une ISO d'installation d'un Linux? Qu'est-ce qu'on a? Et ben en fait ce qu'on a, alors je vais vous laisser peut-être un instant pour y réfléchir si vous avez une idée. Ah, visiblement je vous pose une colle. Je vous pose une colle. Bon, alors je vais pas vous... Essentiellement un système complet mais read-only. Alors à Haribo, je ne suis pas forcément très d'accord avec toi sur complet, mais tu t'en rapproches très fort. Donc ce n'est pas forcément une... Mais oui, effectivement, on n'en est pas loin. En gros, un installeur de distribution Linux, ça reste avant tout un noyau Linux qui démarre et qui va lancer un programme spécial. Et ce programme spécial, ce sera le programme d'installation. Donc dans le cas d'une Fedora ou d'une Red Hat, ce sera Anaconda. Dans le cas d'une Debian ou d'une Ubuntu, ce sera Debian Installer. Voilà. Maintenant, il y a certains systèmes où vous allez avoir un noyau Linux avec juste certaines possibilités en plus. Je pense notamment au live CD qui permet d'installer notamment une Gentoo, parce que moi, c'est la seule distrib source que j'ai eu l'occasion d'essayer. Où en gros pour faire votre Gentoo, bah, vous démarrez sur un installeur, sur un live CD quelque part qui est assez minimaliste, mais on pourrait pour installer une Gentoo démarrer depuis n'importe quel autre live CD, en fait depuis une distrib Linux existante même. Mais donc ce que ça veut dire, c'est que si notre CD d'installation d'un Linux, c'est essentiellement un Linux juste un peu minimal, ça veut dire qu'on a un noyau et ça veut dire qu'on a un initRD ou ce que dit Haribo, un rootfs. Et ce noyau et cet initRD, généralement, c'est démarré à partir de quoi? C'est démarré à partir d'un chargeur de démarrage. Alors pendant très longtemps, on utilisait ISO Linux. J'ai l'impression que pas mal de distribs sont passés à Grub comme chargeur de démarrage pour les images ISO. En plus, j'ai l'impression que Grub, contrairement à la suite syslinux, donc qui contient notamment ISO Linux et PXE Linux, ce truc-là permet de démarrer dans les cas d'un démarrage EFI. Alors c'est pas notre cas, j'ai voulu simplifier la chose, mais on a ce qu'il faut en fait. Et donc, tout simplement, l'idée, c'est d'aller rajouter dans /boot un noyau et un initrd, enfin un initramfs d'installation, et ensuite, on peut utiliser au choix, on peut configurer Grub, je pense que ça peut être une manip à tester, et sinon il y a un autre truc, alors je sais pas s'il est installé par défaut. Si, il est installé. Est-ce que j'ai les pages de manuel là-dessus? Ouais, j'ai les pages de manuel. Alors kexec, c'est assez amusant. Ça permet de directement démarrer sur un nouveau noyau. Alors cette idée-là, je la sors pas de mon chapeau. Hein, on va rendre à César ce qui appartient à Jules. Il y a très longtemps de ça, j'avais lu un post de blog d'une personne assez intéressante qui s'appelle Fabienne Arotin et qui est un contributeur au projet CentOS. Enfin, un contributeur, je dirais même un des membres du projet CentOS. Fabienne Arotin a déjà eu l'occasion de poster sur son blog certaines manières de faire. Alors, si je vous retrouve ça un petit instant, hop. Alors, de mémoire, je crois que c'est ça son site, voilà. Et donc il y avait celui-là. Alors celui-là c'est assez spécifique comme post de blog, je vais vous le mettre. Parce que lui, dans ce post de blog là, en fait, il a un besoin supplémentaire parce qu'ils se retrouvent avec un matériel qui n'est pas supporté par CentOS, notamment une carte réseau, ce qui était un peu ennuyeux. Donc il y a des trucs un peu plus spécifiques, mais en attendant, lui, il arrive à aller... comment dire? Il arrive à... Voilà, il va récupérer... Il va récupérer le noyau unitaire D, il va vous mettre ça dans slash boot, il installe les kexectools, et hop, il lance un truc d'install avec une petite ligne d'installation. Donc potentiellement, ça veut dire qu'on peut configurer les paramètres réseau pour le prochain démarrage, et voire même, dans le cas d'une Fedora Red Hat, rajouter un fichier Kickstart pour automatiser l'installation. Merci beaucoup pour le follow, Omegad. Merci à toi, c'est très gentil. Donc on est vraiment sur un truc, voilà, c'est... j'ai envie de dire, ça va être... youpi, sans les mains, je me réinstalle. Donc c'est un peu l'idée qu'on va avoir aujourd'hui. Alors, si je vais... qu'est-ce que j'ai comme miroir Fedora? Tiens. ETC, DNF... non, ça va être yum.repo.d. Fedora.repo. Hop. Comment ça, il y a ah, de même pour exemple. Ah, ils ont pas... Ah oui, d'accord. Ils ont vraiment mis les miroirs. Ils ont pas mis d'un download... ok. Ah, à une époque, il y avait un site... il y avait un vrai site. Il y avait un vrai site. Bah, on va faire Fedora Mirror. Hein. Hop là. Mirror list. On va pas s'embêter. Mirrors. Il n'y aurait pas une liste des miroirs? Non? Mirror.fedora, hop. Ok, bon, en fait, il faut la récupérer comme ça. D'accord. On va aller prendre un en France, idéalement. Qu'est-ce qu'on aurait là? Bah, le Ipsys, tiens, allez hop. Ou RPM Fine, ah non, Distrib Coffee, tiens, allez hop. De l'université de Jussieu. Allons-y. Donc, dans le répertoire boot, OS boot, grub. Ah non, tiens, il n'y a pas là-dedans. Peut-être dans image alors. Ouais, voilà. Image. Donc, on a un boot.iso. Ça, c'est le classique. C'est l'installeur, le net install. Et puis, dans le PX boot, eh ben, voilà, on a un VM Linux et on a un interd.img. Donc, il n'y a plus qu'à les récupérer. Alors, ce qu'on va faire copier le lien. Je suis déjà dans slash boot. Ah non, je suis dans. Hop, c'est slash boot. Voilà. Et puis ensuite, on va se faire un petit wget. Alors de mémoire, c'est moins haut, hein, c'est ça. Donc on va faire vm linux-install. Hop. Voilà. L'autre, liniterd.img, on va faire pareil. Wget moins grand haut init. Merci beaucoup Konsu pour le follow, c'est très gentil. Donc je disais quoi, c'était initram, non c'était initerd.img, initerd.img-install. Voilà. Il n'y a pas de souci, tu pourras toujours rattraper en replay pendant 2 semaines, Konsu. Encore merci de follow la chaîne, c'est très gentil à toi. Et bonne soirée. Alors, maintenant qu'on a, notre noyau et notre initramfs, enfin notre initerd.img. Donc, si je vais simplement suivre le bnew, on a... Alors, on n'a pas forcément besoin de certains trucs. mais ce que j'aurais voulu, c'était voir si il a un iterg des points MG ici. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste... Hop. Alors, je sais que quand j'avais fait un truc dans le même genre, je m'étais un peu... j'avais pas forcément réussi très bien à utiliser KExec. Je vais me faire juste un écho de ça dans, on va dire, réinstall.sh. Hop, via réinstall.sh. Donc... on se mettra dans slash boot hein, pour le faire. On va pas mettre... Alors, en termes d'options, je vais peut-être baisser un petit peu ici. Vous arrivez à lire, c'est bon, c'est assez gros, j'espère. Hein. Vous le dites si ça l'est pas. Donc, parmi les choses qu'on a dans cette ligne de commande, je vais essayer d'expliquer un peu tout ce qu'il y a. Là, on a notamment le native names à 0 et le BIOS DefName à 0 et le KS Device. En fait, ça c'est parce que c'est pour garder le même nom interface, garder ce qu'on appelle les anciens noms d'interface. Soi-disant aujourd'hui, les nouveaux noms d'interface sont censés être prédictibles. Je mets des gros guillemets parce que bon, j'ai jamais été non plus très convaincu que ce soit prédictible, mais je pense que c'est juste que je m'y suis jamais assez intéressé. Moi de mon côté, si je fais un IP-4-O, j'ai dit IPA. Non, non, non. Hop. Pour le terminal, ça va, la page web mériterait un zoom. Alors, la page web. Hop. Oups là, non. Pas celle-là. Hop. Voilà. Après, de toute façon, je vous ai donné le lien. Donc, si jamais vous voulez le garder pour plus tard. Hop. Yes. Voilà. Alors, on met ce... Hop, voilà. Donc là, a priori, moi, l'interface que je vais utiliser... Haribo qui dit, je dirais plutôt déterministe que prédictible. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai un peu du mal. Disons que l'une des difficultés, bien souvent, quand on a plusieurs interfaces réseau, c'est aussi de trouver laquelle est ETH0, si elle est de tel côté de la carte mère ou plutôt de l'autre. C'est un peu les blagues comme ça. Et par exemple, là, sur cette machine, hein, il y a, si je fais juste un IP link, vous voyez qu'il y a 4 interfaces réseau. C'est un mini PC industriel que j'ai récupéré. Il a l'avantage d'être fanless, donc ça peut me servir pour faire mumuse des fois. Donc a priori, l'interface réseau c'est ENP1S0. Donc je vais garder celle-ci. Et on va pas s'embêter la vie. Donc je vais enlever ces histoires-là. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais démarrer l'installation sans kickstart. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. J'ai connu le souci à Haribo. J'ai connu le souci. Notamment le passage CentOS ou RHEL 4.4 à 4.5, où les interfaces changeaient de numéro. Ça avait été très, très, très casse-pied. Je vais peut-être laisser quand même le KS Device par précaution, même si on ne va pas utiliser le Kickstart. Donc j'ai dit ENP1S0. Hein. ENP1S0. Hop. Donc inst repo. Alors nous, c'est pas du CentOS, c'est du Fedora. Linux développement. Ah non, moi je veux pas du développement, je veux de la release. Hop. Release. 37. Je vais peut-être retélécharger les images. Si je vais dans le everything, est-ce que j'ai quand même les... non. x86-64. Si j'ai OS, boot. Alors, images, pxboot. Je vais les retélécharger par précaution. Alors oui, je m'en suis sorti MJAC. Je m'en suis sorti, même si le résultat est pas franchement ouf. J'entends par là que j'ai pas vraiment eu de gain sur les températures. C'était le 13 pouces ou le 15 pouces que tu avais regardé? Ou si tu avais regardé les deux? Le 15? Ok. C'est pareil, hein, que ce soit le 13 pouces ou le 15 pouces, hein, Donc là c'est bon, release everything, ok, on est bon. Ah, c'est l'interdit celui-là. Allez, VM Linux. Hop. Et ensuite, initerd.img-install. Et là, normalement, c'est l'initerd.img. Ok. J'aurais pu essayer de vérifier avec... Vive les boîtes noires Mac, alors. Je sais pas. Je sais pas, parce qu'en fait, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être moi qui ai mal fait les choses. Ça peut être la pâte thermique que, qui, pour une raison ou pour une autre, genre que ce soit un mauvais batch ou alors je vais pas stocker comme il fallait. Alors que pourtant, bon, elle était neuve, hein, la pâte thermique, la seringue. Je l'ai ouverte pour la première fois lors du premier déballage de Mac. Enfin, démontage de Mac. Donc en gros, toi t'as vu le 15, ben, la pâte thermique, je l'avais ouvert une semaine avant. Ou donc j'ai pu mal l'appliquer, j'ai pu mal remonter le caloduc, et donc elle s'est mal, comment dire, la pâte s'est pas bien mise comme il faut. Pour toi le problème il vient d'ailleurs. Ah, pour toi le problème c'est la machine qui de toute façon chauffe, ou alors c'est la pâte thermique qui est mauvaise. De façon générale c'est une mauvaise marque. J'ai mis wget-i. Ah oui, j'ai mis wget-i, c'est pas très fut-fut. Tiens, j'ai perdu le... Oh là, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi comme bêtise? Ah non, c'est le clavier. Hop. C'est le port USB du clavier. Hop. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? J'ai un VM Linux, j'ai un iterd.img. Ouais, donc il m'a rien mis. Alors, tiens, ça fait quoi wget? Le wget moins grand i, il me donne quoi exactement? Qu'on sache un peu ce qu'on a fait. Moins petit i, c'est file. Est-ce qu'il y a un moins grand i? Je vois pas de moins grand i. Histoire que je me rende compte un peu de la bêtise que j'ai fait. Merci d'ailleurs d'avoir regardé ça, Jérémy. Merci beaucoup. Donc pour toi, MJAC, c'est la pâte thermique qui est moisie? Qui est moisie parce que c'est de la pâte thermique moisie de manière générale, ou tu penses juste que c'est un mauvais batch? Pendant ce temps, je regarde. J'ai pas vu de... Si, moins grand i, liste. Specify une liste des répertoires. Ouais, bon, donc en gros... Ah oui, si, là, il a le initerd.img. À côté du VM Linux. Attends, ils sont pas bons, ceux-là. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Hop là. J'ai fait les deux. D'accord, donc en fait, il m'a juste... Il m'a juste fait ça. Tiens, c'est étonnant quand même que la ls-hlrt me dise... Alors, il date du 4 et 5 novembre. On va vérifier quand même là-dessus. Ouais, 4 et 5 novembre. Ok, donc c'est bon. Allez, mv, vmnews. Vmnews. Je préfère les appeler -install par précaution. -install. Voilà. Bah alors... Voilà. Installe. Installe. Ok. Niveau pack thermique, tu utilises toujours la même depuis 10 ans. T'as pas de problème. Le même tube. Tu doutes que ce soit ça. Ok. Après, voilà, j'exclus pas que ce soit une mauvaise manipulation de ma part. Hein. On sait jamais. Hein. Enfin... Je veux pas... faut savoir des fois aussi se remettre en cause, je pense. Donc, j'ai mes deux trucs là. Vi root reinstall.sh. Donc, je voulais aussi donc le repo. Il me faut le repo, hop là, comme il faut. Tiens, d'ailleurs, on va vérifier ça tout de suite. etc yum.repo.d fedora.repo, et le fedora.repo il dit Linux release, release var, everything, base arch. Pourquoi debug... Ah oui, ça c'est debug info. Hop. Download.example, pub, Fedora, Linux, release, release vert, everything, base, Arch, OS. Ok. Pas fait attention sans doute, les options du kernel proviennent du grub.cfg. Alors les options du kernel que je te montre ici pour l'instant, c'est celles que j'ai récupérées sur la page de blog de Fabien Arotin, que j'ai linké tout en un peu plus haut dans le chat. Et on va... en fait, c'est des options de l'installeur Fedora Red Hat, quoi. Everything x86-64 OS. Hop, copier. Tac. Voilà. Moi, je vais mettre ENUS. Le keymap, je vais pas le mettre. Je vais pas le mettre, le keymap. On va voir ce que ça donne. Hop. Ça, donc, c'est son histoire de module pour sa carte son. Enfin, pas que sa carte son, sa carte réseau. Donc, je l'enlève. Ça, ça va être intéressant. On va le laisser. Je vais juste changer le mot de passe parce que... Hop. Password. Voilà. Et donc, en gros, l'idée... c'est qu'en fait, on va pouvoir non seulement redémarrer sur l'installeur Fedora, mais en plus, on va pouvoir afficher l'installeur Fedora en graphique, en VNC. Ça, ça va être très amusant. Alors, l'IP, hop, hop, l'IP de la machine, je l'ai là, ça sera slash 24. Hop. Voilà. Oups là, qu'est-ce qui m'est arrivé? Voilà. Le netmask, hop, il est en 254. La gateway, c'est une 254. Le name server, ce sera le même. Et le hostname, on va lui dire, hop, reinstall mi. Ah non, c'était tiré mi, hein, la machine. J'avais mis tiré mi. Ouais, tiré mi. Hop, reinstall tiré mi. Another. Oups là. Homepage. Lock. Le PC, ça on s'en fiche, je vais pas le mettre. Hop, initrd. Et moi c'est tirer install. D'ailleurs, hop, je vais revenir au bout. Et là je l'ai mis tirer install. Hop, tirer install. Ok. Hop, on va aller. On est dans slash boot. Et on va faire un chmod plus x de slash root reinstall.sh. Je vais peut-être même faire un cat. Et je vais aller me le coller. Parce que je pense que sinon je vais devoir retrouver tout ça à la mimine. Hop. Je me colle ça ailleurs. Voilà. Alors. Donc normalement, si je lance cette commande, la machine reboot tout de suite. Salut à toi Manon. La machine reboot tout de suite. Merci beaucoup Ciao Bambino pour le follow. C'est très gentil, merci. Beaucoup de follow ce soir, ça me fait très plaisir de voir beaucoup de nouveaux. Tu es dans un bus? Eh bien écoute, je te souhaite un bon trajet. J'espère pour toi qu'il se passera bien. Donc... qu'est-ce qui va se passer? Normalement, en théorie, la machine devrait rebooter instantanément. Vous allez sans doute entendre le bip d'ailleurs du mini PC. Et puis on pourra regarder directement sur la carte de capture que j'ai branchée sur l'HDMI du PC pour pouvoir voir ce qui se passe au démarrage. Et ensuite, on se connectera sur l'instance VNC. D'ailleurs, je viens de me poser la question, est-ce que je me suis installé Remina? Oui, je me suis installé Remina. Et est-ce que j'ai du VNC avec Remina? Oui, j'ai du VNC avec Remina. Ok, cool. direction gare Angoulême, puis direction gare de Montparnasse. Et ben, Manon, grande voyageuse. Le bip vient du BIOS, non, avec K exact, on ne devrait pas l'avoir. Bonne question. On va voir. C'est une possibilité. Allons-y. /root reinstall.sh. Alors là, normalement, il est censé me faire perdre la main. Je n'ai rien entendu. On va aller tout de suite switcher sur la carte de capture qui ne m'affiche plus rien. Voilà. Je n'ai plus rien. Alors, la question que je suis en train de me poser, c'est est-ce que si je ping la machine... Merci pour le follow. Raise the nameless. Alors, on a dit 192, 168, 6.212. Ah, mais si, on a un truc. Eh, vous avez le truc. Vous l'avez. Et moi, alors, vous ne le voyez pas à l'écran, mais moi, je suis en train de pinguer, ça ping. Alors, qu'est-ce qu'il affiche? Parce qu'en plus, c'est en tout petit pour moi. Allez, on va se faire un petit... Est-ce qu'on va avoir un VNC? Alors, je rajoute une nouvelle session. Name, Quick Connect, ouais, c'est pas mal ça. Alors, VNC, c'est un tout petit... Ouais, désolé, j'ai pas réussi à zoomer avant le début du live. Reinstall... Ah ben, c'est le principe, hein. Hop, serveur 2.5901, pas d'username, le mot de passe et save and connect. Alors pour l'instant, il est en unable to connect. Alors, est-ce qu'il a... Si je fais ça, non, ça... Alors, si je vous le mets comme ça, ça devrait être un peu mieux. Alors, où est-ce qu'il en est? Il n'arrive toujours pas à se connecter. Non, j'ai toujours rien en VNC. Mais la machine ping. La machine ping. Qu'est-ce que j'utilise pour installer à distance? Et ben en fait, j'ai mis en local le noyau et l'initramfs de l'installeur en fait. Je me suis pas, j'ai pas fait dans la dentelle. Alors connect, non toujours pas. Ah, est-ce que ce serait pas le mauvais port? Non plus. Ah! Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Il nous raconte qu'il n'est pas content, hein, on dirait. Il y a eu des erreurs pendant le boot. Donc a priori, le lancement de l'installeur semble avoir échoué. Donc la bonne nouvelle, c'est que normalement, je débranche la machine, je la rallume, et ça devrait le faire. Ou alors je la reboot comme ça. Non. Ah, ça y est, il n'y a plus rien. Voilà. Voilà, normalement, vous avez dû entendre biper. Tu as cru que c'était une machine à toi qui bootait? Vent de panique. J'ai prévenu Nebed, j'ai dit qu'il y aurait du bip. Ok, donc la machine a redémarré, c'est cool. Hop. Voilà. Donc si on se remet comme ça, je viens de me reconnecter à la machine. Alors j'ai pas forcément bien percuté qu'est-ce qui lui était arrivé. Donc ce que j'ai envie de faire... Alors... On a accès au log de boot. Et ben malheureusement, Radegound, je ne pense pas. Puisque en fait, c'est juste le... Pas de souci, ça arrive. Ce que j'ai bien envie de faire, c'est le faire via route install.sh. Je suis tenté de proposer de faire ici, de mettre un... de faire un point slash. Alors on va faire un mv du root reinstall.sh là-dedans. Je vais les retélécharger proprement par précaution. Donc image pxboot. Hop. Donc pour toi, l'initRD il l'a vu, sans lui il se serait arrêté en kernel panique. Ok. Oh, initRD. Non, j'ai dit initRD.img-install. Hop. Sur un job d'initialisation. Ouais. Alors honnêtement, je pense que je vais retenter une fois ou deux avec le cas exec et après on passera à grub, je pense. Alors ce qu'on peut faire aussi, potentiellement... ouais, non mais moi non plus, j'ai pas forcément tout, tout compris. Je vais le lancer comme ça. Hop. Copier. Coller. Et c'est parti. Voilà. Là, j'ai plus rien. Je vais revenir sur la carte de capture. Et je vais lancer mon ping pour l'instant. Ah, bon, il m'a fait un timeout, ok. Ah, alors. Alors, voyons voir ça. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? En tout cas, déjà, la machine ping, donc en termes d'options réseau, a priori, j'ai au moins mis de quoi la rendre joignable sur le réseau local. Même si après, je pense que la manière dont les options sont faites, vu qu'on a pris des options pour CentOS 8, je me demande si elles n'ont pas été rendues obsolètes sur Fedora depuis. Parce que de mémoire, il fallait mettre des trucs hein, d'une façon différente. Donc on ira peut-être jeter un œil en termes de documentation. Les options noyaux, elles sont plus comme ça, je crois. Mais ouais, là, effectivement, il n'a pas l'air de... On dirait qu'il attend un timeout. Ça a pas l'air d'être trop la réussite. Alors, pendant que on attend gentiment, moi je vais aller retourner regarder la doc de Fedora. Fedora installation. Hop. Alors, non, pas Fedora 36. Hop. Salut à toi Zwax, bienvenue. Alors, ce que je voudrais, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, effectivement, il se plaint qu'il y a des trucs qui n'existent pas. C'est Dracut qui se plaint. Ah oui, tout à fait. Il nous refait la même, je pense. Oui, non mais c'est ça. C'est qu'en fait, il y a des options qui s'attendent et qui ne trouvent pas. Ok. Et ben ça tombe bien parce que je suis en train de regarder. Je vais vous passer. Hop, voilà. Je suis sur cette page-là. Donc on va pouvoir lui donner les bons flags. Je vais rebooter la machine. Et on va lui donner les bons flags. Attention, ça va biper. Alors... je vais gentiment attendre que... ça ping à nouveau pour me connecter en SSH. Remarque, normalement, vous devriez le voir, le... hop, ici. Alors, Radegound, ça dépend. Puisque, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire une installation... En fait, c'est de faire une réinstallation. Donc, on va vouloir des options d'installation et pas forcément des options de runtime. Hop. Alors. Donc... je pense que voilà, ce sont toutes ces options-là, là, les IP quelque chose. Les IP quelque chose. Tiens, d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est histoire d'être un petit peu plus tranquille. Hop. Je vais faire comme ça. Voilà. Donc là, on a tout le repo. Donc on a bien inst.repo, c'est bon. On a le... inst.lang. Hop, j'ai oublié ici. Voilà. Le VNC password, ok. Et c'est là où en fait, il nous faut inst.ip en fait. Ah non, c'est pas un. Ouais, inst. Alors, il nous faut comme ça pour l'IP. Hop. Reviens par là. Hop. Donc. Il nous faut ça. Il nous faut la gateway. J'ai dit que c'était 254. Le netmask. Oups là. Reviens par là, toi. Le netmask. Ah, deux fois, je me fais avoir. Voilà. T'arrives en cours de route. Alors, on essaye de réinstaller une machine depuis... ouais, on en est au début, exactement. On essaye de réinstaller la machine et pour l'instant, on est un peu en train de se battre avec les options. Le hostname, donc je lui avais dit reinstall, on va dire juste reinstall me. Voilà, l'interface, on a dit que c'était enp1s0. Voilà. Voilà, moins et OK. Donc ça, ça devrait être pas mal. Je pense que ça doit être... Pourtant il pingait. C'est pas un reproche, mais on n'arrive pas à booter. Non, c'est pas un reproche. On a bien le inst.vnc. C'est bizarre, je pensais que c'était inst.ip, mais c'est peut-être moi qui suis... Bon, après, bon, kickstart, ça, on verra plus tard. Mais ouais, à chaque fois, c'est... Ah, inst.vnc connect égale host.port. Comme ça, à la limite, c'est pas très grave. Quoique, on a mis comment ici? C'est juste inst.vnc et inst.vnc password. OK. Hop, je vais me copier ça par précaution. Voilà. Effectivement, c'est un mode, ouais, un mode connect. Et ben c'est parti. Copier, coller. Bon, déjà, il me dit pas, au fait, t'as des lignes qui sont ennuyeuses. J'ai oublié un espace avant l'anti-slash à le côté du password. J'espère que ça posera pas de problème. Alors, voyons voir la carte de capture. Elle en est où? Parce que là, je viens d'avoir le timeout. Est-ce que ça ping toujours? Pour l'instant, ça ping pas. Ah, ça y est, on a le kernel qui redémarre. Ça y est, j'ai un ping. Alors maintenant, est-ce qu'on va encore avoir les mêmes erreurs? Alors déjà, ça commence mal. Ça commence mal. On a les mêmes trucs que tout à l'heure. Je la sens pas plus. Mais je suis peut-être trop pessimiste. Je me demande si c'est pas inst.ip en fait. Mais pourtant la documentation elle disait pas inst.ip, elle disait juste IP. Wait online interdit qui semble toujours en stand-by. Ouais. Ouais, pourtant, la machine ping. Bon, je te fais confiance à Haribo alors. Ouais, je pense que là, c'est pas mieux, hein. Ah oui, pour le coup, ça ping. Hein. Ouais, ça ping. Hein. C'est peut-être ce que je vais faire, Jérémy, mais franchement, je vois pas quelle option il y aurait à ajouter. Je vois pas quelle flag, en fait. Parce que pour être honnête avec toi, quand je fais des réinstalls type genre rajouter des options sur la ligne de commande d'une image ISO, j'ai pas grand chose de plus en fait. À part éventuellement l'ajout d'un kickstart. Donc c'est ça qui me surprend en fait. Alors, il dit qu'il manque inst.repo ou inst.stage2. Bah pourtant, il y a inst.repo. Pourquoi inst.stage2? Alors, si on retourne voir la documentation... ça, c'est les installations locales classiques. OK. Remote. Direct mode, connect mode. OK, direct mode. Donc, il dit bien... Bon, je vais peut-être regarder, effectivement... Alors, ce qu'il y a peut-être moyen de faire, c'est d'aller regarder sur... ici, quand on remonte... boot grub2 grub.cfg, il nous dit quoi lui là? inst.stage2 hd2.label fedora. C'est chelou cette affaire. Voilà, je vais peut-être lui dire hd2. Et puis je vais mettre /dev/sda sda quelque chose. On va redémarrer, on va le refaire. Allez. Hop, carte de capture. Allez. Et c'est reparti pour un bip. Alors Zwox, je crois que j'ai pas forcément répondu à toutes tes questions. Non, on boot pas par PXE, en fait, on essaye de réinstaller depuis la partition, depuis le disque existant. Parce que je n'ai pas d'environnement PXE là sur mon LAN. Du moins, je n'en ai plus. J'en ai eu à une époque. Je faisais tout démarrer ou presque en PXE. C'est même pas un des bootstrap, vu que c'est de la Fedora. Hop, allez. Salut à toi, Gizmo. Alors, on va repasser sur... Hop, voilà. Et si je fais un sudo cat/proc cmdline, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, il ne donne pas de stage 2. Par contre, si on va dans boot, grub... Ah oui. Hop, tiens, les grub.cfg. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a un stage? Non. Ok, bon. On va lui rajouter le stage. Tiens, déjà, je vais... Moi, ça me stresse. Hop, je sais que c'est pas ça, mais bon. Juste au cas où. Est-ce que par hasard, est-ce que dans KExec, il y a un stage? Non, il n'y a rien. Ok. Alors, comment ils disent ici? Linux. Et ils mettent un stage cache comme ça. Alors, moi, append. Ouais, bon, on va faire un append. Franchement, le KS device, je suis pas sûr qu'il soit utile, mais bon. On a dit inst.stage2 égale. Alors juste par précaution, si je fais un petit fdisk, est-ce que j'ai fdisk là-dessus? Oui, moins L. J'ai un dev SDA, j'ai un dev SDA1 boot. Et si je fais un petit cat etcfstab, dev mapper root uid égale machin slash boot xfs. Si je fais un dev moins h, il me dit quoi? Il me dit dev SDA2 pour slash boot. Tiens, c'est marrant ça. On dit dev SDA2 dans slash, pour slash boot. Ah, le dev SDA1 sera le... un G... un 1 méga BIOS boot. Ok, ce sera sur dev SDA2. Ok. Et LSBLK... LSBLK, il dit part slash boot, effectivement, SDA2. Ok. Ok. Donc, on va lui dire hd:/dev/sda2, je pense. hd:/dev/sda2. Et on va pas lui mettre quiet, hein, on va lui mettre hop, comme ça. Ouais, mais alors c'est bizarre, Radegound, je pensais avoir installé la machine en full MBR. Donc c'est bizarre qu'il y ait juste un méga en fait, parce qu'il me dit bien BIOS boot. Ah, le disque label type est en GPT, c'est peut-être pour ça. Bizarre, je pensais avoir formaté le disque. Je pensais avoir formaté le disque en MBR. Salut à toi, Adrien. Bon, bah écoute, hein, on va y aller. Hein, hop. Je vais copier-coller ça au cas où. Hop. Allons-y. Bah non, je vais copier-coller. Voilà. Tiens, d'ailleurs, je vais en profiter pour faire un petit shootout à Adrien. Hop. Voilà. Ok, très bien. Eh ben, aujourd'hui, j'ai appris. Disque en GPT, le BIOS boot, c'est pour installer le grab sur ce MBR virtuel qui n'existe pas avec une table GPT. Ok. Et on va repasser sur la carte de capture. C'est déjà en train de redémarrer. Moi, je relance mon ping, il est déjà actif. On se retrouve avec la même chanson que tout à l'heure. Ok, bah j'aurais peut-être dû forcer le reformatage du disque en full MBR peut-être. J'espère que c'est pas pour ça que ça bloque, mais bon. Après, ce qu'on peut aussi faire, c'est retenter ça depuis la machine virtuelle. La machine virtuelle, pour le coup, elle est vraiment en BIOS. Hein. Peut-être, Jérémy, peut-être. Mais effectivement, ça n'a pas l'air beaucoup mieux. Alors, en gros, Adrien, le contexte, c'est qu'on veut, redémarrer sur l'installeur de Fedora depuis le disque dur. Donc, il y a une Fedora qui est installée, et j'ai récupéré le noyau Linux d'install et l'initerd d'install, et je veux, avec kexec, redémarrer sur l'installeur. Et lancer l'installation à distance en VNC. Alors je l'avais déjà fait par le passé, mais avec un grub 1. Enfin avec grub V1, je l'avais fait. Mais je l'avais pas encore fait avec kexec. Et normalement, enfin ça passait. Hein. Je sais même plus ce que j'en ai fait d'ailleurs de ces trucs-là. Ah bah non, toujours pas. Et il se plaint toujours du inst.repo et de l'inst.stage2. Alors que les deux ont été spécifiés. Je suis un peu... Je suis un peu embêté. Alors soit on persiste avec, avec KXX, soit on essaye d'écrire un fichier de conf grub2. Alors, enfin, écrire un fichier de conf grub2. Je suis tenté de dire, voilà, normalement, on a... alors, vous voyez pas. Hop, hein. Voilà, là, maintenant, vous voyez. Bon, normalement, on a censé, on est censé avoir un petit peu d'aide de la part de... Est-ce que le name server est nécessaire? Oui. Oui, si on veut du DNS, oui, je pense. Ah, attends, il y a écrit name server, il n'y a pas écrit... Ah non, non, il y a bien le... Ah, mais il manque un truc alors, sur l'IP. Il manque le serveur de nom dans ce cas-là. Comment ça se fait que je ne l'ai pas mis? Il me disait quoi? IP Gateway Netmask Hostname. Ouais, il manque le DNS. Hein. Mais... Il manque le DNS, effectivement. Bien vu, Pépé Guy. Alors, est-ce que ce serait pas inst.nameserver ou inst. Ouais. Kernel, option, boot option, inst.repo, cd-rom, c'est pas ce qui nous intéresse. Kickstart, non plus. Network boot option. Alors, VLAN, Remote Access, Deprecated Boot option, on va peut-être éviter. Donc DNS égale, ah non, Name Server égale. Ok, donc il nous faut un Name Server égale. Donc effectivement, il nous faut nous rajouter, alors je vais, tiens, je vais hop, à nouveau le redémarrer. Attention au bip. Voilà. On va le regarder à démarrer à nouveau. Alors, en l'occurrence, la machine, je vais vous montrer, hein. Hop, la machine, elle est là. Je prends pas beaucoup de risques. Je fais des tests avec vous sur une machine où j'ai juste à aller appuyer sur le bouton genre là. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, si j'avais effectivement une carte IPMI, je m'embêterais pas la vie. C'est, je monte un volume virtuel en ISO, et puis voilà, je relance l'installeur. Mais là, dans ce cas de figure-là, je suis pas sûr qu'on puisse faire autre chose que... hop, voilà. Alors, non, c'était là que je voulais aller. Donc, il a fini de redémarrer. Voilà. Et je peux revenir sur ça. Alors. Et donc on va lui rajouter effectivement même serveur égal. Je doute que ce soit ça qui pose problème, mais je vois pas d'autres explications. On en remarque, il crierait que... Ah. Peut-être que c'est parce qu'il n'arrive pas à joindre le repo qui dit, au fait, je veux un truc... C'est peut-être ça. Allez. C'est bon, il est... Hop. Donc voilà, là la machine elle doit être à nouveau en train de repartir en démarrage. Enfin en tout cas en démarrage via KExec. Donc là j'ai perdu le SSH officiellement. Je me remets à pinguer en attendant. Vous ne le voyez pas pour le moment. Eh mais c'est... Ah non, ça c'est la même chose que jusqu'à maintenant, voilà. Je commençais à me dire, tiens, ça a l'air d'être mieux, mais non, 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 non. En fait, pour l'instant, ça change rien. Ouais. Bon, ben... Je crois qu'on est encore sur un fail, hein. Dommage. Soit repo injoignable égale DNS ou erreur dans le repo qui lui plaît pas. On va peut-être changer de repo. On peut essayer de changer de repository. Mais après, le repo... Enfin, j'ai téléchargé les trucs depuis... Ouais, Distrib Coffee, je suis dessus, hein, pourtant. Et effectivement, peut-être dans la VM. Peut-être on va utiliser la VM. C'est une... Ça me paraît être une bonne option. $122.42. Ok, hop. Allez. Remarque, je vais hop, refaire une conf SSH. Vérifier l'IPv6 aussi. Non, arrête. C'est quand même pas ça. Normalement, je me rappelle pas. Je crois que j'avais désactivé IPv6. T'as vu du IPv6 link ready. Ok. Chelou cette affaire. Bon, on va le tenter plutôt avec le avec la VM, je pense. Hop, allez. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est... Hop, on va se remettre ici. On va faire un petit visudo. On va descendre. Hop. Voilà. Suffit que dans le DNS, ils répondent avec l'IPv6, c'est pas le V4, et hop, ça coince. Ok. Ah, il faudra que je vois, effectivement. Peut-être désactiver l'IPv6, mais... normalement, là, sur cette machine-là, de toute façon, je suis... Ah, remarque, il a un INET6 en FE80, mais... si je fais un ping6 google.fr, ça passe. Ping6 google.fr. Non, network is unreachable. Ok. Ok, on va essayer avec l'autre machine, on va voir. Alors, déjà... On va revenir là-dedans. Image, pxboot. Alors, wget, non, slash boot. Moins o, vm linux-install. Voilà. Ensuite, l'initerd. On va voir si... C'est pour ça que je suis content d'avoir déjà préparé la VM en comment dire, au cas où. Donc init, je dis initerd.ing-install. Voilà. Et ensuite, bon, ça sert plus à rien de pinguer. Ah bah oui, la machine elle est encore... Tiens, je vais l'éteindre. Je vais la rallumer juste au cas où. De toute façon, pendant ce temps-là, l'autre il télécharge. Et puis, heureusement pour moi, j'ai gardé le petit, la petite commande de réinstallation. Alors, pendant ce temps-là, allez, tu démarres. Hop là. Alors si c'est le coup de l'IPv6, j'avoue, je vais être vert. Hein. Il prend son temps, hein, j'ai l'impression, le miroir. J'aurais peut-être dû les télécharger en local et puis y aller à grands coups de SCP en fait. Je vais peut-être me faire ça, tiens, je vais me les mettre en local. Je vais me les mettre dans mon répertoire de téléchargement. Ça, je pourrais y aller à grands coups de SCP s'il y a besoin de recommencer plus tard. Ouais, et puis en plus, la blague, c'est que sur ma machine locale, ça télécharge beaucoup plus vite. En fait, je pense que c'est vraiment que j'ai donné 2 vCPU et 2 gigs de RAM à la machine et ça se sent. Allez, ça c'est fait. Hop, on va dire réinstall.sh. Alors... On va l'appeler reinstall2.sh, vu que la machine s'appelle reinstall.me2. Voilà. Tiens, c'est marrant ça. Allez. Hop, on verra ça plus tard. Donc la machine, elle est en 122.42. Gaffe au conflit quoi d'IP? En fait, elle est même pas dans le même sous-réseau. Parce que là, c'est une VM qui est en NAT, en fait. Et elle s'appelle reinstall.me2 avec même pas le tiret. Ah, t'as pré-shoot l'exec sans modifier. Ah, ok. Tiens, d'ailleurs, c'est quoi son IP à elle? Enfin, son IP... Le reinstall.me2, il est aussi en NP1S0. Ok. Ok, alors... Et il me manque le name server. Tiens, je l'avais pas rajouté là-dedans. C'est pas le bon que j'ai copié en plus. Dis donc. Alors... Ouais, j'ai même pas mis le stage 2, mais bon. Donc on a dit name server égale 192.168.102.1. Hop. Paf, paf, paf. Alors, revérifions. Inst.repo, ok. Inst.lang, ok. VNC, password. Name server. Éventuellement, on va le mettre le name server en dessous. L'adresse IP. Et la machine, par contre, elle s'appelle vinstallme2. Voilà. K-exec est là. Donc, il n'y a plus qu'à. Et à la limite, la VM, elle est là. Voilà. Est-ce que je peux faire une petite vue en mode Scale Display Always? Voilà, comme ça, ce sera un petit peu plus gros. Hop. Alors, je ne pourrais pas zoomer plus, par contre, dans ce cas de figure-là. Donc, allons-y, c'est parti. J'appuie sur Entrée. Et là, on devrait voir quelque chose se passer. Le lien arrive, ok. Ah, ça a été beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide. Je sais pas si vous avez remarqué là, mais alors, pouf! C'est là on a l'installeur. Il va normalement nous dire, eh, au fait... Et voilà. Ah bah non, non, ah non, je suis pas d'accord là. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. J'avais mis un inst.vnc et un inst.vnc password. Pourquoi tu me relances ça? Pourquoi tu me mets directement en local? Bah non, c'est... Oui, on est presque tada, en fait. Presque. Je suis bien sur l'installeur, mais, parce qu'il y a un mais, l'installeur est en local. C'est une excellente question, Nesquik. On va aller regarder ça. On va se tenter de s'y connecter. T'es passé où, Rémina? Hop, t'es là. Alors, on va l'appeler install2. Hop. Il va être Rémina VNC. Hop. Donc, on a dit... C'était cette IP-là. 2.5901, normalement. Simon Connect. Tente de se connecter. Non, il n'y arrive pas non plus. Alors. On n'avait pas un truc sur... Il dit bien inst.vnc, inst.vnc password. 5900. Ouais. Alors, je crois que tout à l'heure, j'avais fait une install en VNC. Et bizarrement, Fedora mettait le 5901. Je sais pas pourquoi. Mais là, de toute façon, l'installeur étant lancé en graphique, à mon avis, il a tout juste ignoré la partie VNC. Hein. Pourquoi? Je n'en sais fichtre rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lui dire, au fait, redémarre-toi. Voilà. Voilà. Moi, je suis tenté de vouloir rajouter le inst.text, en fait. Parce que de mémoire, on peut lui dire... Alors, on peut le faire au niveau du Kickstart aussi, mais... Ah, voilà. Comment ça, 5091 ? C'est 5901, là. Mais voilà, oui, voilà. Il dit bien 5901. Ah, remarque, il dit pas inst.text, il dit inst.vnc. Ah, faut mettre l'IP d'abord. On va le tenter comme ça, hein. Mais je trouve ça bizarre que l'ordre des options soit... Allez. Et après, je rajouterai un inst.text. Ouais, non, il me refait une installation locale. Hop. Ça bombarde en local. Voilà, ça repart en local. Voilà. Je pense que je vais le tenter en inst.text, en fait. Pour voir ce que ça donne. Mais la bonne nouvelle, au moins, c'est qu'on redémarre sur l'installeur. Ce qui est déjà un... Enfin, on démarre sur l'installeur et on obtient un truc. C'est déjà, entre guillemets, un progrès. Inst.text ou inst.txt, je sais plus. Non, là il dit le VNC il reprend l'écran principal, ce qui expliquerait l'affichage sur le... peut-être. La même doc, ça, ouais. Kernel option, non, c'est boot option. Je sais plus si c'est inst.txt ou inst.text. Pas de souci, Haribo, merci beaucoup et merci d'être resté déjà jusqu'à maintenant. Hop, boot option, installation using VNC. Ça, on l'a. C'était quelle version? F31, ok. Ouais, donc ils disent toujours inst. The boot menu. C'est dingue ça. Available boot option. Voilà. Allez. Inst.text. inst.text. Voilà. Allez, on est reparti. Hop. Voilà. Donc, on a bien le redémarrage. Démarre l'installeur, ok. Et... non, il me réaffiche un truc. Non mais c'est dingue ça! Le pire, vous savez c'est quoi? Le pire c'est que... cette machine-là, la machine physique... Bon là on est dans une VM, mais la machine physique... la machine physique, je l'ai installée via VNC en plus. J'ai mis, à l'option de boot, je dis inst.vnc, j'ai mis un mot de passe et j'ai fait l'installation en graphique comme ça en VNC. Ça me tue. Est-ce que ça serait pas à cause de... mince. Est-ce que ça serait pas parce que justement c'est un... display spice port auto. Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse sauter le display en fait? Parce que je me demande si c'est pas un truc comme ça en fait. Ce que je vais faire, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais passer, avant de finir, je vais tenter un truc. Voilà, inst.sshd. C'est une autre option que je voudrais vous montrer, comme ça on va vite voir si ma théorie est bonne. En gros, l'idée c'est que plutôt que d'utiliser VNC, il est possible d'utiliser SSH pour voir l'installeur qui du coup sera en mode texte. Mais Fedora System Administrator's Guide, alors... System Administration Guide, on Fedora 31 mais c'est pas grave. Ah ouais, mais non, mais là, il va me dire... voilà. Fedora installer. Boot option Fedora doc. Bon. Non, il me redit toujours Fedora Administration. Alors, il me dit quoi? Bon, là, c'est plus des trucs sur installer des services. Bizarre ça. Alors, restrict SSH access during installation. Ah, d'accord. Donc, on peut se connecter sans mot de passe et on peut en mettre un. D'accord. Bon, on va le lancer quand même en SSHD juste de base. On va bien voir ce que ça donne. On va se reconnecter dessus. Ah oui, bah oui, il est... zut. Hop, allez, redémarre. Et ce sera la dernière tentative pour ce soir. Hop. Déjà, je suis content parce que KExec, ça marche quand même pas mal, hein. Allez hop. Et c'est reparti. Alors. Il va m'afficher le truc en graphique, je le sens. Il me l'affiche. Oh, cette blague. Cette blague. Je suis en 36. Alors, est-ce que par hasard, ça aurait été retiré de Fedora 37? Ouais, c'est ça, comme s'il ignore les... Est-ce qu'il prend bien en compte le nitrd.img? Je pense que oui, il le prend en compte, sinon il n'en serait pas l'installeur. Système administrateur. Attends, j'avais des documentations. Elles étaient où les docs de base? Fedora Repository... C'est fou ça, ouais, effectivement, on dirait qu'il ignore les options. Donc c'est quand même chelou. Non, ça c'est le grub de bootload. Quoique. Hop. Non, j'avais pas de... avant. Où est-ce que j'ai vu ça? C'était une installation Anaconda, boot.iso, utilise grub 2 sur les... Ouais, ok. Mais ça c'est... Ah, c'est les release notes. C'est pas ça qui m'intéresse. System Administrator's Guide, non. C'est fou ça. Installation, voilà, installation remote. Donc là, je suis sur le latest, je pense. Préparation, ouais. Interactive remote. On a quoi? Ah oui, là, il nous met que du... il nous met VNC. Direct mode. Il nous met que du VNC. Tiens, c'est étonnant. Si je fais Fedora 37... 37 inst.sshd. Est-ce que j'ai des options? Ouais, bon, c'est plus comment installer un serveur SSH, mais je vais faire Anaconda, peut-être. Ouais. Est-ce que je dois pas mettre les options de KExec dans moins command line? Peut-être, effectivement. On va vérifier ça. Allez, force reset. Hop là. Moins load, ok. Et le moins command line, il est où? moins append, ouais, non, elles sont dans les options. C'est juste que effectivement, je l'ai. Le inst.vnc. Non, mais j'ai le inst.text, le inst.sshd. Et en fait, comme j'ai les anti-slash, là, normalement, ça évite que la ligne, elle fasse 20 km de long. C'est ni en append, ni en command line. Alors, un truc que je voudrais vérifier, c'est ici. Alors, tu me diras, c'est une CentOS 8, mais il avait pas mis de quote pourtant. Moins append. Ah, si, il a fait un moins append égal avec des quotes. Et il va jusqu'à là. Ah! Il me manquerait peut-être des côtes. Ok. Il me manquerait sans doute les côtes. Ok. Alors ça... Ok. C'est... On est d'accord que le moins unitaire D, par contre, il est... Il est pas... Non, mais il n'y a pas de souci, Jérémy. Je suis prêt à tester. Et effectivement, à partir du moment unitaire D, il faut mettre le... Ok. Alors, si j'ai perdu 2 heures là-dessus, ce sera comique. Hop. Bon, on va faire hop, comme ça. De toute façon, c'est dans un point SH. Tant pis pour la visibilité. Voilà. Hop. On va le lancer comme ça déjà. Je vais me le copier ailleurs. Hop. Ah non, il m'a pas fait comme il faut. Hop, allez, c'est parti. Voilà, là il est en train de redémarrer. Si j'ai perdu 2 heures sur des côtes, ça va être comique. Alors juste au cas où, parce que je le sens bien. Il fait des choses qu'il faisait pas avant. Écoute, pour l'instant, il est en train de démarrer. Voilà, c'est là où... Ah! Il me parle de la graphicale. Voilà! Là, il me dit des choses. Mais, visiblement... Ah, c'est le text mode qui le... Allez. Mais on a un autre truc. Donc franchement là, alors de fait, moi ça me donne envie d'aller revérifier ici, de faire le réinstall.sh et juste de... Donc on a dit à partir d'ici. Donc on va pouvoir enlever ça, je pense. Ah zut. Donc là je suis repassé sur la machine physique hein, parce que là le VNC, si ça se trouve il va passer en fait, si je comprends bien. Là on met hop, on met comme ça. Et on va laisser comme ça je pense. Voilà, et pendant ce temps, sur la carte de capture, est-ce qu'il reboot? Alors... Ok, donc ça, le warning est pas le même. Et pendant ce temps, j'ai aussi relancé sur, sur l'autre VM, là, sur la VM. Et sur la VM, en fait, je suis au même endroit. C'est marrant. Sur la VM, j'ai voulu lancer en SSH. Et là, sur la machine physique, j'ai voulu lancer en VNC. Déjà, ça change là. Sur la machine physique, là. 2 heures pour des côtes. Ouais, non, mais si ça se trouve, c'est ça. Hein. Alors non, la blague, sur la machine virtuelle, il m'a remis l'installeur local. Parce que j'ai enlevé le inst.txt pour le inst.sshd. Alors à moins qu'il y ait il y a un truc peut-être avec avec le fait que ce soit de la VM-KVM et qu'il l'utilise quelque part en interne du VNC. Ah, là par contre, on a un truc. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, là il va nous dire, là il nous dit de se connecter. Voilà, enfin, voilà, 2 heures pour des côtes. Voilà. Et là, je viens de lancer le... Je vais vous remontrer. Voilà. Je viens de lancer. Là, je suis sur Remina. Je suis en VNC sur la machine. Voilà. Donc, je peux faire un petit continue. Et on va avoir l'installeur Fedora classique, mais lancé via VNC, en fait. Voilà. On va lui dire, allez, installation automatique, reclaim space, oui. Allez, on efface tout, on reclaim. Tac, la machine s'appelle bien, réinstall mi, 6212, ok. Root account, allez, hop. Bon, je mets le password que vous connaissez, c'est-à-dire justement password. Voilà, de toute façon, c'est une machine de test. Hop. Paf, paf. Mes petites habitudes. Save change. Est-ce que les mots de passe sont bien les mêmes? Parce que tout à l'heure, j'avais eu la blague. Mais a priori, il le dit, hein, si les mots de passe sont pas les mêmes. Voilà, allez. Et on lance l'installation. Alors oui, je l'ai laissé en partitionnement automatique. Hein. Bon, par contre, c'est bizarre. Sur la VM, ça n'est pas pareil. Merci beaucoup pour le follow, Tofik Software. Merci à toi. C'est exactement ça. Pratique quand il n'y a pas d'écran sur la machine. Ou quand on veut faire la chose à distance. Depuis un Linux existant. Bon, je vais pas vous laisser regarder une installation de Fedora sur une machine. Hein. Alors, est-ce qu'il n'y a que Anaconda qui fait ça? Non. Enfin, non. Ce qui est intéressant là, c'est... En fait, ce qui est intéressant, c'est pas tant l'installation via VNC. C'est pas tant... Alors, merci quand même, hein, Tofik. Ce qui est intéressant, en fait, c'est d'avoir pu redémarrer sur l'installeur depuis un système existant. C'est ça qui est finalement intéressant dans ce stream ce soir. C'est le fait d'avoir pu, depuis un système existant, lancer l'installeur. J'aurais pu installer une Debian, j'aurais pu lancer un installeur d'une Arch Linux, d'une Gentoo, d'une ce que vous voulez, à partir du moment où celle-ci ensuite me donnait un accès à distance. Donc c'est pour ça que j'essayais SSH et VNC, c'est que, comme le dit, exactement comme le dit Jérémy, c'est pratique pour les serveurs dédiés OVH ou autres, pour installer un Linux qu'ils ne proposent pas. Tout à fait. C'est, on installe d'abord un Linux qui propose, et puis à partir de là, on va dans slash boot, on fait... on lance notre... éventuellement, on installe kexec. Alors là, kexec était installé par défaut sous Fedora. Mais on installe kexec. On rajoute le noyau L'initRD, on rajoute les bonnes options, donc on récupère l'IP de la machine, on vérifie ça. Et ensuite, paf. Ce qui est intéressant ensuite, le step d'après, c'est de faire une installation automatisée. C'est-à-dire de faire une installation via Kickstart pour Fedora Red Hat ou via Precid pour Debian et Debian Ubuntu. Ou d'autres systèmes d'installation automatisée selon la distribution que vous utilisez, ou vos propres scripts, par exemple pour, je sais pas moi, lancer une installation. Alors je dis Gentoo parce que c'est la distrib source que j'ai connue moi à l'époque, j'ai jamais touché à Arch Linux, je devrais peut-être essayer. Mais je pense que voilà, peu importe la distrib, à partir du moment où vous arrivez à avoir un accès SSH de l'installeur de la distrib, à partir de là, vous faites ce que vous voulez en fait. Voili voilou. Bon, et bah écoutez, il est déjà 20h15, il va être l'heure de se dire au revoir. J'espère que ce stream vous a plu, j'espère que vous avez appris des trucs intéressants. Autre que, au fait, il faudra peut-être lire correctement les posts de blog des autres et ne pas oublier les côtes. Toujours est-il que... Alors, tu avais déjà fait quelque chose du genre, mais complètement différent, avec un chroot pour écrire toute la partition root depuis le Linux installé, et reboot à la fin en croisant les doigts. Bah là, en l'occurrence, Jérémy, si j'avais pas eu la machine à côté, si genre ça avait été un serveur dédié chez, admettons, Scaleway ou OVH, bah je déclenchais à nouveau un reboot dans l'interface, et la machine redémarrait sur son système existant. Donc de la même façon que là j'ai pu recommencer, j'aurais pu le faire, ça aurait juste été un petit peu plus long selon les fournisseurs de serveurs dédiés. Bon, étant donné que Adrien nous a laissé pour aller mixer, moi je vous propose qu'on aille le rejoindre. Mais avant, hey, merci beaucoup Nesquik pour le follow. Voilà, avant Nesquik follow, merci à toi. Donc, j'espère que ça vous a plu. Moi, ce que je vous propose, c'est que dimanche prochain, on continue là-dessus, sur ce modèle-là, enfin, en tout cas, sur ce début-là. Merci, Jérémy, pour le follow. C'est très gentil à toi, merci. C'est-à-dire que là, maintenant, on a une installation qui est possible en remote, qui est possible, pour l'instant, en VNC à distance, mais au travers d'Internet. Donc c'est pas forcément sécure. On pourra peut-être essayer de regarder pour l'installation via SSH. Ça pourrait être intéressant à regarder 5 minutes. Enfin, j'ai dit 5 minutes, donc ça va en prendre 25, sinon c'est pas drôle. Mais ensuite, on a, et je l'ai déjà fait plusieurs démos de Kickstart sur cette chaîne, mais on pourra aussi rajouter les options qui vont bien pour déclencher le Kickstart en comment dire, un fichier Kickstart d'installation automatisée de façon à complètement automatiser l'installation de notre système. Voilou. Donc, si jamais vous avez envie de voir la suite de ce petit projet, eh bien, ce sera dimanche prochain à 18h. Je stream habituellement les dimanches de 18h à 20h, un petit peu dépassé ce soir, et je stream aussi habituellement les jeudis pardon, pas de 18h, mais de 20h à 22h. Je stream autour de l'administration système, le DevOps. J'essaye de séparer les projets du jeudi et du dimanche. Comme ça, si vous êtes plutôt un habitué du dimanche, vous verrez la suite. Vous verrez la suite. Et si vous êtes plutôt sur les projets du jeudi, eh ben, vous verrez la suite des projets du jeudi sans forcément louper les trucs que je ferai le dimanche. Enfin, vous les loupez, mais en gros, ça vous manquera pas. En fait, les jeudis en ce moment, je suis plutôt dans une optique Ansible et conteneur. Donc j'essaye en fait d'automatiser l'installation de conteneurs sur une machine virtuelle, genre typiquement un VPS qu'on prendrait chez un fournisseur qui propose une offre très peu chère, pour pouvoir installer plusieurs services plutôt que d'avoir un serveur dédié en fait. Et puis donc, ce petit projet actuellement pour les dimanches où on réinstalle un serveur physique à distance. Vous pouvez donc me retrouver non seulement sur Twitch, mais il y a aussi les réseaux sociaux, Mastodon, Twitter, le Discord de la chaîne YouTube pour revoir les très vieilles vidéos. Vous pouvez retrouver toutes les adresses pour tout ça sur anotherhomepage.org. Je vais vous donner le lien tout de suite, anotherhomepage.org, où vous retrouverez donc les résumés de tous mes réseaux sociaux et notamment mon blog. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. On va aller raider Adrien. Alors pour les habitués, enfin pour les nouveaux arrivants plutôt, parce que les habitués savent, je vais mettre de fait l'écran de fin de stream, mais restez puisqu'il y aura l'envoi du raid vers Adrien. J'espère qu'on sera nombreux à lui faire coucou. Je vous souhaite une excellente fin de week-end, un bon début de semaine, et je vous donne rendez-vous jeudi et dimanche prochain. Ciao, ciao!